Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Ren Kineko et on continue ce petit let's play de Itelju avec normalement le dernier épisode, à savoir l'épisode 6, dans lequel nous allons essayer de finir la caverne légendaire, qui n'est pas une caverne de gnognotte ratée. Donc dans l'épisode précédent, en fait, on avait fini la première moitié, on avait défoncé dans l'épisode encore d'avant le boss final, mais là en fait... Quelqu'un a écrit ici, le Platypain attend. Énigme 7 sur 12, à mi-chemin. Ouais. Ok. Donc en toute logique, si on veut être parfaitement logique, ensuite, toujours dans la logique. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai l'impression qu'il me manque une info quelque part. Ouais, genre, comment je fais pour passer en fait ? Ah. On s'est bloqué, monsieur le procureur. Flat. Bon, alors. Ce qui est marrant, c'est qu'on a toujours la bombe qui fait depuis tout à l'heure. Bon, le début me paraissait pas trop mal. Parce que jusque-là, on n'explose rien, entre guillemets, et on n'empêche pas le monde de tourner, en quelque sorte. Donc maintenant, le tout, c'est de savoir comment... empêcher que le bloc, quand je le fais descendre, enfin comment je peux le récupérer ensuite. Et ça, c'est pas très très obvious, je trouve. Parce que l'annonce n'est pas ça. On est d'accord que ce bloc-là, de toute manière, ne me sert à rien. Donc c'est forcément avec celui-ci que je compose. Celui-ci, je suis obligé de l'envoyer vers le bas. Vers le bas. Donc si je mets un bloc ici, déjà, je ne peux pas, je ne vois pas comment je pourrais, puisque je ne peux pas le pousser. Si jamais je mets un bloc ici, même problème, je ne sais pas comment je peux ensuite atteindre le bloc de glace. Si jamais je mets un bloc là, pareil, je ne peux pas le pousser. Et là, je peux... Je peux le pousser, mais toujours pareil, je ne vois pas comment je peux l'atteindre ensuite. Donc, du coup, l'idée, c'est que ça va quand même jusqu'à la pancarte. Et ensuite... Et ensuite...
Et ensuite, eh bien, je ne sais pas. Ah, je sais peut-être en fait, ça sert à rien. Ah, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Toi, tu reviens là. Toi, tu fais ça, tu vas là, tu fais ça. Ensuite, toi, je t'allume, je te freeze, je t'envoie. Voilà, tout simplement. En fait, c'était un fake, les... Merde. Les blocs de glace étaient un fake. Ok, énigme 8 sur 12, ce n'est pas fini. Il faut juste éteindre ce machin. Très bien. Sauf que pour l'éteindre... Oh putain. Je sens venir la blague. Parce que là, ok, ça d'accord, ça c'est pour ouvrir le... Enfin, pas le raccourci, mais pour éviter d'être bloqué, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il va falloir prendre la bombe. Bon, par exemple, hop, on va la mettre là. Donc, il faut que je prenne la bombe. Dans tous les cas, toi tu iras là. Et ensuite... Il faut que... Je pousse la bombe. Dans ce sens-là, mais comment je peux la pousser dans ce sens-là et envoyer un rayon... un luminaire. Sans me le manger par la suite. Parce que là, pour moi, c'est ça la solution en fait, hein, mais... Mettons que je te mette là. Mettons que plutôt... J'allais dire, il faut peut-être que je la pousse dans un sens. Et pendant que je la pousse... Mais non, dans tous les cas, je peux pas. Je peux pas me dupliquer comme ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il me manque l'ordre en fait dans lequel je dois faire les actions. Parce que là c'est bien mignon. Là c'est bien mignon, mais je ne peux rien en faire de ça.
Ouais, d'accord que là, de toute manière, je peux pas envoyer là. Je peux pas non plus. Donc en gros, mon seul rebond possible, c'est ici. C'est celui-là. Parce que là, je ne peux pas, là, je peux pas. Bon, je peux nulle part. Donc ça veut dire que si je dois envoyer la bombe, il faut que je l'envoie dans cette direction, avec le rayon qui revient comme ça. Sauf que pour pouvoir l'envoyer dans cette direction, il faut que je sois derrière la bombe. Et pour être derrière la bombe, le seul moment où je peux faire ça, c'est en étant là. Sauf que là, j'ai pas assez de temps pour faire l'aller-retour, quoi. C'est n'importe quoi. Ah, donc énigme. Donc énigme et donc tristesse. Sauf si je pousse la bombe ici en me mettant là. Est-ce que ça c'est possible? Non, parce que je ne peux pas revenir. Est-ce que je peux revenir? Bon là déjà je me suis bloqué, hein, mais... Non plus, ça marche pas. Bon bah à nouveau je sens venir la petite ellipse là parce que encore une fois, putain, ces énigmes là avec une notion de rapidité ou quoi, j'ai vraiment du mal. J'ai du mal en fait à les appréhender et à voir dans quel ordre je dois les faire. Bon, allez hop, ellipse! Et fin de l'ellipse, donc normalement la solution elle devrait pas être bien loin. Donc c'est bien ce que je pensais, hein, c'est de la rapidité tout simplement, mais il faut encore pouvoir le faire. Voilà. Ok, donc énigme 9, n'abandonne pas, bon, on va essayer de ne pas abandonner. Hop là. Ok, donc il faut bien activer les 4. Pour activer les 4, je pense qu'il faut que tu fasses ça. Voilà. Merde. Oula, c'était dangereux ça. Eh merde! Ce que je voulais éviter. Très bien. Ah! C'est vrai que ce machin renvoie les... C'est vrai que ce machin renvoie les... On va commencer. Les blocs. Les blocs.
On peut tenter, hein. On verra ce que ça donne. Sauf que... Raté. Parce qu'après, je peux pas renvoyer le bloc ici. Donc, ça sert à rien. Donc, ce n'est pas ça. Mais du coup, non, en fait, je suis pas sûr que cet ami soit utile. Dégage. Enfin, si il est utile pour servir de contrepoids, de blocage au bloc, c'est uniquement ça. Merde. Encore une fois raté, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, bon, alors là on a trouvé un moyen de le bloquer un petit peu. Mais ça ne suffira pas. Ah, mais je suis trop con. Ah, peut-être un truc à faire ici. Parce que là, du coup, il ne fait plus qu'une ligne droite. Donc lui, par exemple, je pourrais le monter sans problème. Oui, mais crétin, non, tu peux pas le monter sans problème puisque tu vas du coup bouffer ton. Oh là 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 là. Et j'ai encore une fois bloqué ce putain de bloc, mais c'est n'importe quoi. Comment je peux faire pour... Là, ça y est, là, il y a le cerveau qui commence un peu à vriller. Et quand il y a le cerveau qui vrille, c'est jamais bon. Sentez la dubitativité. Non mais sérieusement, on va pas passer tout un épisode sur ça, quoi.
Si jamais là je pousse celui-ci alors qu'il fait ça, mais je peux pas le pousser si jamais il y a le bloc vert là-haut. Putain, Renk, réfléchis. Arrête de vouloir te dire que tu peux laisser la trajectoire du navet hors. Enfin, contrôlée. Non, tu ne la contrôles pas. Elle restera toujours celle de base, qui est celle-ci. Voilà. Il faut que tu composes avec ça. Il faut que tu restes sur cette notion de lui, il bouge plus. Même si tu peux le friser 2 secondes. Il bougera plus. Enfin, il bougera plus. Il bougera toujours de la même manière. Heureux à nouveau. Décidément, en fait, on aura beaucoup de mal avec ce let's play, hein, avec ces énigmes. Non, non, merde. Je suis trop mou. Je suis beaucoup trop mou du genou. Bien. Edin. Et ensuite. Donc l'autre, c'est sur le même principe, hein. Genre, il faut que je l'amène là-bas. Mais ensuite, le problème, c'est que là. Le problème, c'est que là, ça ne va pas passer pour cette partie-là. Donc, il faut que je l'amène lui ici, je pense. En fait, de toute manière, on est d'accord que les deux blocs de glace, leur seule possibilité là, c'est de. Oh, ça va être chaud. Ça va être un petit peu chaud. De toute manière, les deux blocs de glace sont forcément, je pense, ici, puisque c'est le seul endroit où on peut les envoyer. Sauf que je suis en train de calculer les probabilités pour que je me foire, et elles sont quand même assez énormes. Assez violente. Est-ce que il est possible? Je me souviens plus. Ouais, si, c'est bon. Bon, bah voilà. Enfin, il m'aura cassé les couilles, celui-là. 10 sur 12, tu y es presque. Dix sur 12, tu y es presque, oui. C'est quoi ça? C'est les boutons? C'est les boutons. Sur le moment, ce que j'ai voulu faire avait un sens, mais maintenant je me dis, ça n'en a plus. Donc, celui-là de bouton, je peux l'activer avec celui-là de bloc. Sauf que. Encore une fois, là, il va me manquer une notion. Parce que. Parce que bon,
Idéalement, il faudrait que je détruise ces trois blocs-là. Est-ce que je peux utiliser la bombe ici? Pour ensuite bloquer, lui, je fais clac, clac, clac. Tac. Ensuite, donc là, le tout, c'est de savoir est-ce que la bombe. Bon, on va tester ça de suite. Est-ce que la bombe fait exploser le bloc? Non, très bien. Hop là. Donc, je pense que la solution, c'est quelque chose dans ce goût-là. Hop. Hop. On fait ça. On fait ça. On fait ça. On amène ça là. Hop. Ensuite, toi. On t'amène là, on t'allume. Et en fait, si, oui, voilà, c'est ça. Hop, ensuite je fais ça, je t'envoie toi là-bas. Voilà. Est-ce que... Oui, je peux récupérer celui-là après. Une nouvelle carte! Ethan Carver. Humain, armoire à glace. Un type élégant et intelligent avec un don pour les travaux manuels. A taillé sa maison à partir d'un cure-dent. Aime les énigmes, déteste les lâcheurs. Raté. Paf! Voilà. Bon, celle-ci, ça allait à peu près. 11 sur 12, si proche. Si proche, si proche, si proche, si proche, si proche. Ouais. Ok. Toi, éventuellement, ce que je peux faire, c'est peut-être t'envoyer ici pour que tu m'envoies celui-ci. Techniquement, en fait, là, j'ai trois blocs, hein, on est d'accord? Puisque si on prend en compte le gros bourrin là-bas, on a trois blocs. Donc, si jamais je fais ça. Et que je fais ça. Voilà. Ensuite, bon, juste pour le principe. De, tu vas très vite me saouler. Voilà. Ensuite, toi là-bas. En fait, j'ai fait encore une fois une bouletasse. Non, j'ai fait une bouletasse. On la refait. Voilà, ça c'est bon. Merde. Quel dommage. Ok, ça c'est bon. Ensuite, toi. Ah putain, ils sont pas synchro. Ils ne sont pas synchro.
Voilà. Hop là. Voilà. Donc là, on est pas mal. Ah. Shit. Non. C'est pas ça qu'il fallait faire? Zut, 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 zut. Là, on a fait... Est-ce qu'on a fait une bouletasse? Mais surtout, comment on peut ne pas la faire, cette bouletasse? Parce que là, donc ça c'est bon, ça ok. Le problème, en fait, c'est celui-là de bouton. Je me demande si lui... Il est pas censé y aller là-bas. Question subsidiaire. Est-ce que... Bon, on verra plus tard... Question subsidiaire, est-ce que toi... Ok, c'est bon, on peut te téléporter. Hop, 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 hop. Raté. Voilà. Merde, raté. Ah, on va pas s'en sortir. Hein. Voilà. Ensuite. Tac. Voilà. Ensuite. Voilà. Et enfin. Ah, voilà. Ah, c'est pas vrai! Je pense qu'elle est pas contente parce qu'il y a juste beaucoup de bordel. Papapom. Impossible n'est pas français. Donc toi tu t'ouvres grâce à ça, ok. Bon, on va faire péter les bombes, c'est débile, mais c'est juste pour voir qui va ou quoi. Donc ça c'est par rapport à ça là-bas, et ça c'est par rapport à ça là-bas. Ok. Hop. Donc, toi, c'est celui qui est là-bas, ok, et toi, c'est la loupiote, entre guillemets. Bon, bah, c'est parti. Peut-être plutôt là, je ne sais pas. Ouais, d'accord, ok. Mince. Oui, mais c'est bien mignon, mais après, je l'envoie comment là-bas? Non, ça me va pas. Ah, si, 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 je suis con. Si, 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 si. En toute simplicité. En fait, on va faire juste ça en cas de besoin.
Merde. Si je pouvais aussi m'acheter un cerveau qui coordonne les mains et les doigts, surtout, ce serait pas mal. Je fais n'importe quoi, on est d'accord. Voilà. Voilà. Trop tôt. Ok. Trop tard. Et encore trop tôt. Bon. Merde, 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 merde. C'est pas bon. 3, c'est pas bon. Il faut au moins compter 4. Fuck. Ah. 3. C'est pas bon, 4 non plus, putain! Mais comment c'est possible? 1, 2, 3, c'est pas bon. Donc en fait, il faut que ce soit à 3, parce que là, j'ai fait à 2,5. Putain, mais c'est pas possible! Ou alors pendant que c'est en train de... Mais c'est moi qui suis débile en fait, hein, on est d'accord. Ouais, ok, d'accord. Là, ça va être mieux de suite. Ah, en fait, fallait pas utiliser la bombe ici. Il faut faire un truc avec ça, peut-être. Mais ça me paraît un peu compliqué. C'était n'importe quoi ça. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, en fait. Et pour ce stream aussi. Et on va se réserver cette dernière énigme pour le dernier, donc l'épisode 7. Parce que là, en fait, je sens que je vais rester longtemps, longtemps dans cette salle, plus longtemps sur le boss. Je sais que le boss, je vais y passer du temps. Donc là, on est déjà à 46 minutes de vidéo, sans montage, hein, je ne sais pas après le montage ce que ça donnera, mais voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ces épisodes vous ont plu et qu'ils vous ont pas trop frustré de me voir galérer sur de la merde. Et puis sur ce, ben moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'aller sur le Twitter pour avoir les infos sur les prochains lives et replays. Et puis ben voilà, allez, ciao!